suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Eh oui. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut souhaiter la bonne année jusqu'en décembre. Donc, bah, bonne année à tous. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Du coup, on va reprendre un petit peu les vidéos. Notre petite série sur les tests de dino. Hop là. Notre petite série sur les tests de dino hein, qu'on est en train de faire, on va la continuer. Évidemment, je vais pas aller faire un tour sur YouTube pour voir qui a gagné. Tout le monde peut le voir, c'est le Tyrannosaurus, hein, c'est celui-là. Bref, c'était pour vous souhaiter une bonne année à tous, en espérant qu'elle vous apporte bonheur et prospérité, santé et... Voilà, et puis du coup, on se retrouve dans le jeu directement. Hein. Allez, à tout de suite, clap, clip, cloup, cloup, clap, clip. Le monteur, bouge-toi le cul. Du coup... On se retrouve dans le jeu avec le bon Styracosaurus, voilà, c'est son vrai nom. Et on voit qu'il y a eu quelques petites mises à jour. Alors j'ai passé le patch note, j'ai pas réussi à retourner dessus, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je vais vous montrer les mises à jour ici qu'il y a eu. Alors il y a eu ça, il y a eu les stats des dinosaures. Voilà, on voit, c'est dommage, voilà, il y a des dommages importants. Sa recovery, c'est tout simplement sa régène. Sa vitesse dans l'eau, sa défense, sa vitesse sur la terre et sa survivabilité. Je sais pas trop à quoi ça correspond, ma foi. Bon voilà, ok. Et pourquoi il est en carnivore, c'est chelou. Ah non, ok. Et du coup, il y a ça pour tous les dinos, hein. Ça a été rajouté pour tous les dinos. Donc, ok, on voit un peu voilà, l'équilibre et les stats des dinos. Donc, c'est un bon ajout. On sait pas trop à quoi ça correspond pour l'instant, mais voilà. C'est quand même un bon ajout, surtout ça là, survivability, on sait pas trop ce que c'est. Bref, et ils ont rajouté notre dinosaure aussi, l'Albertaceratops, voilà, plutôt stylé le bougre, il est sympa. Voilà, bon bah du coup on le testera dans la prochaine vidéo. Hein. Pour l'instant on va tester le dino pour lequel vous avez voté dans les commentaires. Creating characters, enter in the world. Ok. C'est ok, alors, ouais, non, mes touches, alors, oui, ils ont rajouté ça aussi, vous voyez là-bas, là, il y a un petit point d'exclamation, c'est les quêtes, Rock Maze, je suis un peu dyslexique, alors la carte, ok, on zoom là, wesh, focus players, non, est-ce qu'on voit la, ouais, on voit où il faut aller, hein. Donc c'est là. Donc ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Parce que vraiment, on savait jamais où on devait aller. Un bon ajout. À ce qui paraît, ils ont rajouté aussi des systèmes de combat. Un nouveau système de combat. Enfin, du combat qui change. Des attaques différentes pour certains dinosaures. Ensuite, vous le social là. Taisez-vous. Mais taisez-vous! Alors, bon, Styracosaurus, on va commencer un peu. Alors, bon, du coup, il a l'air de courir quand même assez vite. Il a de courir quand même assez vite, ça va. Alors, du coup, les cris. On va faire les petits cris. Ça, c'est le cri d'appel, hein. Voilà, classique. Si je parle en même temps, ça va pas le faire. Ça, c'est le cri gentil. Ah, ça, c'est le cri vénère, ça, on reconnaît. Eh mais merde, je parle en même temps. Mais je parle encore en même temps. Voilà, ça, c'est le cri un peu d'appel. Au secours, venez m'aider. Bon, et ça, c'est les petites émotes, hein, les petites émotes en plus. Il a un cri, un autre cri? Cri 6? Ok, bon. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à gauche? Qu'est-ce qui se passe à droite? Ok, bon, ça c'est toujours pareil, hein, à peu près. D'accord. Bon, c'est bon. Allez, ok, alors. Oh, mais attends, mais il y a des nouveaux cris, hein. Alors ça c'est le 8, je sais pas trop à quoi ça correspond, mais bah, c'est un nouveau cri. Alors, bah, on va essayer maintenant bah, de tester sa stam, son endurance. Il peut pas sauter, hein. Non, il peut pas sauter. C'est quand même logique, hein. T'as l'air d'être une grosse bestiole. Donc il m'a l'air de courir quand même assez vite. Ça va, en vrai. La stam descend relativement doucement aussi. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Maintenant, bah, il n'y a plus qu'à voir un peu la férocité de la bestiole. Hein. Après, toujours pareil, hein, ça reste un herbivore. Hein. Il n'est pas fait pour attaquer, il est fait pour se défendre. Alors vraiment, la situation
que j'aimerais trouver, c'est me faire attaquer par un carnivore. Voir ce que ça vaut. Après, si les carnivores, ils ont peur, ça veut dire que les mecs savent que je suis dangereux. Hein, parce qu'il met du saignement, la bestiole. Hein, elle met du saignement. Donc, voilà, c'est pas quelque chose que tu attaques facilement. Par contre, à l'inverse du Kentrosaurus qu'on a fait dans la vidéo précédente, ben lui, il peut pas se défendre derrière lui. Hein. Alors, on va juste voir s'il régène vite sa stam. Ouais, ça va quand même vite. Hein. Ça va quand même vite. On va voir un peu aussi les demi-tours, parce que justement, j'étais en train d'en parler. Hein. Alors, du coup. Ouais, bon, en marche lente. En marche lente, hein. Il se retourne pas de ouf, quand même. D'accord. Et en marche comme ça, là. Ouais. Ouais, bah ça va. En vrai, ça va. Ça va, il se retourne bien. Il se retourne bien comme ça. Bon, très bien. Donc, on a fait les petits tests préventifs, provisoires, primordiaux, principaux, prioritaires. Maintenant, on va essayer de se retrouver dans une situation où nous sommes attaqués par des carnivores. Si nous ne trouvons pas cette situation, bah, nous allons la créer. Et nous allons jouer un herbivore agressif qui attaque les carnivores et les autres herbivores. C'est juste pour tester la puissance de la bestiole. Hein. C'est pas le gameplay que t'es censé avoir. Mais je veux juste savoir si il a beaucoup de dégâts d'attaque. Alors visiblement oui, par rapport au stade qu'on a vu. Il a beaucoup de défense. Et est-ce qu'il peut mettre en fuite facilement des petits carnivores? Parce que bon, les gros carnivores, on sait très bien. Hein, les sarcosuchus. On sait très bien que les sarcosuchus, ils vont me défoncer. Au matin de ta vie sur la planète, ébloui par le dieu soleil, tu t'éveilles en merveille dans l'harmonie d'une chaîne d'amour. C'est l'histoire. Ok, j'arrive sur zone. L'ombre s'abat sur mon Styracosaurus. La mort est proche. Mais on va essayer de s'en sortir. Hein. Parce que là, c'est un peu le terrain des Sarcosuchus et des Spinosaurus. Ah, Spinosaurus. Il y a une pétave. L'ombre s'abat sur mon Styracosaure. Le brouillard s'étend sur le monde de Panjura. What? Vas-y, tu fais quoi? Eh, hey, tu fais quoi? Ouais, il m'a mis un coup de queue. Ah ouais, il met des coups de queue. Ah, ben voilà. What? Non, pas toi. Putain, Sarcosuchus de merde. Ok, je me casse. Alors, j'ai... Vas-y, barre-toi, le Sarcosuchus. Putain, c'est pas possible, ces trucs. Ça recommence. 2021, toujours le même problème. Hein. Des Sarcosuchus. Par contre, moi, je tank. Je tank de ouf. Hey, que tu veux, là? Ouais, barrez-vous! Vas-y, barre-toi, le lambéo, tu fais quoi, là? Tu vas mourir? Vas-y, barre-toi, frérot! Barre-toi, frérot! Cours pour ta vie! Cours pour ta vie, mon pote! Bon, du coup, quand même, le Styraco, il a résisté à des coups de Sarcosuchus, à des coups de Spino. Costaud, la bestiole, hein. Costaud, la bestiole. J'ai fait fuir le Spiné dans l'eau pour protéger mon pote lambéo. Coucou! Gentil. Cool, le Spino a été carrément boosté. Hein. C'est bien, franchement c'est bien. Oh, j'en parlais avec l'un d'entre vous dans les commentaires. Ben voilà, résultat, le Spino est une autre attaque, il peut se défendre par derrière. C'est très bien, parce que c'était vraiment de la grosse dope ce dinosaure. Donc c'est vraiment une bonne idée d'avoir fait ça, Alderon Games. Très bien, comme ça il est jouable. Hein. Ça peut être intéressant d'avoir le plus grand carnivore du jeu jouable, parce qu'il était quand même... injouable hein. Donc c'est pas mal. Par contre il fait pas beaucoup de dégâts avec sa queue, mais il en fait. Il en fait quand même. Et il a pas l'air très content. Par contre tu marches toujours à derrière je crois. Mais ils veulent quoi là? Vas-y le lambéo, barre-toi. Barre-toi bordel. Nous sommes suivis par la mort.
Du coup, je voulais vous dire un truc avant tout ça, mais bon, bah, c'est parti en cacahuète, hein, disons-le. Ça va, vous êtes assez nombreux, là? Ouais, je suis énervément un peu bête, hein, je me suis coincé. Du coup, je vais me décoincer avant de crever. Tiens, dans ta gueule. Merde, je me suis coincé contre lui. Comment ça, report player? Il a rien fait. Non, mais par contre, ça c'est pas bon. Hein. C'est pas bon qu'on nous propose de report comme ça aussi facilement. Ça va peut-être poser des problèmes dans le jeu. Je sais pas, mais ça va peut-être poser des problèmes dans le jeu. Et ça, on n'aime pas quand il y a des problèmes dans un jeu. Bon, j'y reste pas dans le lac. Je suis assez content, j'ai pas à marcher pendant 15 ans. Il y avait un truc qui s'illuminait là. C'est quoi? Ok, c'est des petites branches. Peut-être pour créer des nids. Ça va arriver. Ça, c'est pas mal. Du coup, qu'est-ce que je disais? Bah, toujours plongé dans les ténèbres et l'obscurité du brouillard de Pandura. Sarcosuchus, toujours là pour te mettre le bon dernier coup de dent, hein, qui fait plaisir pour t'assassiner. Mais il n'empêche que le Styraco résiste au Sarcosuchus. Hein, parce que j'avais plus beaucoup de vie quand je me suis battu contre le Spino. Il m'a croqué et je suis pas mort. Donc, très résistant la bête. En plus de ça, vraiment la stam, c'est un pur bonheur parce qu'elle tient longtemps et elle se régène à une rapidité. C'est incroyable, j'aime beaucoup ça. Il est sympa à jouer, hein. Pour l'instant, il est vraiment sympa à jouer. Ensuite, ce que je voulais vous dire aussi au travers de cette vidéo, c'est que j'ai pas sorti de vidéo parce que j'ai beaucoup bossé sur une vidéo que j'ai fait il y a pas longtemps. Elle s'affiche là-haut à peu près, hein, dans ces eaux-là. Et si vous voulez aller la voir, si vous aimez bien l'univers de Seigneur des Anneaux, ça me ferait plaisir. Si vous pouvez commenter, savoir si ça vous plaît, si c'est bien fait, si vous rentrez bien dans l'univers grâce à la narration que je fais. Hein. Donc du coup, ça me ferait plaisir. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos, parce que j'ai mis énormément de temps à faire ça. C'est une nouvelle façon de travailler pour moi. Et du coup, dès qu'on travaille d'une façon un peu différente, ça prend du temps. En effet, bon voilà, c'est juste pour vous dire ça, hein, entre parenthèses, il y a un autre concept et une autre thématique qui va poindre son nez sur cette chaîne. Donc pour tous les fans de Seigneur des Anneaux, allez-y, vous allez vous régaler, je pense, parce que je vais en parler grandement. C'est un univers que j'adore, voilà. Si je fais pas ma pub moi-même, qui la fera? J'ai envie de dire, personne. Il y a un petit truc là, Maitria, je crois. Bon, Maitria, il a, je pense, aucune chance contre moi. Bien. What? Tu veux quoi en fait? Vas-y, moi je t'attaque, hein. Par contre, le Sarko, si tu pouvais ne pas te mêler, ce serait cool. Ah ouais, par contre, voilà, si. Non, mais voilà, il y a le Sarko qui vient, quoi. Vas-y, casse-toi avec ton groupe, toi. Hein? Il m'a empoisonné. Résistant, en vrai, hein. Résistant, la bestiole. C'est quoi, ça? Lambéo, viens m'aider, wesh. Tu vois pas, je suis en galère. Viens m'aider! J'ai crevé, je pense. J'en ai tué un! Non, je vais mourir! Non! Ok, où je suis? Je suis où là? Ah, je suis pas très loin, ça va, je suis pas très loin. Donc, du coup, c'était un beau combat. C'était un beau combat. Après, c'est difficile quand même, je trouve, à gérer le dinosaure. Je pense qu'il faut bien s'entraîner pour pouvoir se débrouiller correctement dans un combat comme ça où on est plusieurs. Dans les chauffourées, surtout avec un Sarcosuchus de mort au milieu qui te fout un coup de dent, quoi. Mais ouais, c'est difficile à gérer parce qu'il y a plusieurs systèmes de rotation. Il y a la rotation avec le Alt-Turn, la rotation où tu peux bouger comme ça pour te défendre, la rotation avec le trot, entre guillemets, la rotation avec la marche lente et la rotation avec la course. Du coup, le dinosaure a beaucoup de systèmes de rotation, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, c'est quand même difficile. Mais
Je pense qu'avec cette bestiole, on peut clairement faire face à des métrias, voilà, trois métrias. J'en ai tué un dans l'histoire. Les autres, je pense qu'ils étaient quand même mal en point. Mais le Sarcosuchus m'a enlevé la moitié de ma vie en un coup. Donc ouais, il a déséquilibré un peu le combat. Hein. Je suis content de ce que ça a donné. Je pense que nous avons vécu une bonne expérience avec le Styracosaure. Et on va essayer d'y retourner pour voir si on peut pas faire quelque chose d'autre. On est toujours dans le brouillard. En vrai, il fait vraiment un temps de merde. J'ai l'impression d'être chez moi, là. C'est grave. C'est tout le temps comme ça chez moi, sauf qu'il pleut en plus. Aïe, 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 le nord de la France. Magnifique territoire de notre vieux pays qui ne connaît jamais le soleil. Et ça, ça, on est content, hein. On est content. C'est bien. Oh, mais il est là, mon pote. Kingroth. Ouais, ça recouvre du cul, Kingroth. Wesh. Yo. Bah alors, toi, t'en vas, Kingroth? C'est le camion. Il veut quoi, le Sarcosuchus? D'ailleurs, on va le fumer. Viens, Kingroth de 209. Viens, on va le fumer, lui. Vas-y, tu veux quoi, le Sarcosuchus? Vas-y, le Sarcosuchus! Ouais, je cours plus vite que toi, je cours plus vite que toi. Gros sac! Ouais! Cours! Van de Dieu, il a pas couru! Kingroth! J'ai pris le premier coup, fume-le! Voilà! Kingroth, il revient! Vas-y, 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 Kingroth, je le contourne! Tiens, Sarcosuchus! Non? Eh, par contre, je remets 2 heures à démarrer. Vas-y, Kingroth! On le fume! Mais cours lui après, bon sang! Kingroth, il m'a l'air de courir à deux à l'heure. Yes, Kingroth, tu l'as défoncé! GG, oh, il a l'air fort celui-là, là. Il a l'air fort, Kingroth. GG, Kingroth, voilà. Sarcosuchus, sa première fois, sa première fois. Eh, hey, le travail d'équipe, hein. Travail d'équipe entre herbies, donc ça veut dire que les herbies ils peuvent se défendre. Et en plus ils sont maniables, gérables, ils sont forts. C'est vachement bien. GG. Wow, that was crazy, yes man. C'est bien frérot, eh, franchement c'est bien battu. Voilà, ça c'est des boss. Bah, par contre, du coup la vie, elle régène toute seule. Je sais pas si elle a beaucoup régène pour l'instant, j'ai pas trop vu dans l'état dans lequel il m'a mis. J'ai l'impression que ça va quand même mieux. Mais par contre, ya, yeah. Oh ya, yeah, mind if I get some leeches. Ok, bah si tu veux, vas-y, go. Hein. Go. Ok, I follow you, frérot. Ok, I follow. Je sais pas trop ce qu'il m'a dit, mais bon, I follow you, frérot. Hey, je te follow. Kingroth. Congratulations. Vas-y, on craint rien. Tous les deux, on craint rien. Mais du coup, tu te fais un troupeau de ça, là. Mais laisse tomber, les herbivores, ils sont hyper forts. Hein. Tu veux quoi? Tu veux des litchis? C'est ça? Ah, tu viens d'en prendre. Tu t'es régalé. C'est bien, Kingroth. Je te follow, t'inquiète. Vas-y. Par contre, il a l'air de courir doucement, Kingroth, hein. Vous avez vu, il n'arrivait pas à rattraper le Sarco. Enfin, je sais pas. Enfin, si, il est arrivé, mais. Voilà quoi. Quoi, moi, que... Mais tiens, tu en trouves partout des litchis, toi, c'est abusé. Moi, une fois, j'ai essayé d'en chercher, j'en trouvais nulle part. Vas-y, je te protège, hein. Moi, je suis l'éclaireur. Je suis beaucoup plus rapide. Et du coup, s'il y a un brouille,
je suis là, je fais diversion, on fait comme on a fait. Genre, moi j'y vais, je fonce dans le tas, et toi tu les défonces après par derrière, ok, King Blef 209. Je te suis, t'inquiète, je suis là. Je suis en soutien. Mais par contre, j'aimerais bien aller me continuer à me battre. King Ross, au secours! King Ross! Bah, par contre, ça lag à la mort hein, quand il y a beaucoup de dinos comme ça. Et c'est les Sarcosuchus le problème, King Ross. Il y a problème là. Il y a giga problème ici, King Ross. Attends, je l'ai défoncé là. Ouais, ça a saturé un peu là. Allez, vous voulez quoi en fait? Eh, je vais faire venir King Grass avec moi, vous allez voir. El Spino, King Grass, ramène-toi. Arrête de manger les litchis. Donc, Alenator, t'es foutu! Je cours plus vite que lui! Vas-y, on frappe le Spino! Donc, Alenator, je cours plus vite que lui, j'ai l'impression. C'est abusé par contre. C'est abusé parce que je suis plus fort. Eh ouais, mon pote. Tu as voulu me traquer! Regarde ça, la mort! La mort qui arrive derrière toi! Et ouais, frérot! Bah, par contre, c'est abusé. Hein. Après, le Concavenator, il se doit de réussir à aller derrière moi pour me tuer. Il a pas le choix. S'il y arrive pas, il est mort. Voilà. Ciao, le Concavenator! Y'a quoi là? Il fait quoi lui, attaquer King Grass? C'est un malade! Mais c'est un malade lui! T'es un fou toi, tu attaques pas King Grass! Espèce de taré hein! Vas-y King Grass, déboîte-le! Oh, je vais crever! Non! Mais pourquoi? Pourquoi y'a lui qui nous attaque? Qu'est-ce qu'il veut en fait? Il voulait peut-être faire pareil que moi, à tester la force du Dino, bon, je comprends. Bref, bon du coup, bah, la vidéo touche à sa fin, hein, on va dire clairement. Je pense que vraiment, le Styracosaurus est un excellent dinosaure, excellent herbivore. Vraiment, je kiffe, il est fort, il est puissant, il est résistant, il a beaucoup de stam, il fait très mal quand il frappe, il met du bleed. Vraiment, il est top. Si on joue en troupeau, vraiment, c'est un excellent dinosaure, il est cool à jouer, il est dynamique, il est rapide et tout. Test du Styracosaurus réalisé. En plus de ça, on a vu qu'il y avait une nouvelle mise à jour, qui rajoute quand même pas mal de trucs. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai réalisée sur l'univers de Tolkien, l'histoire de Numenor. Si cet univers vous plaît, si cette thématique du Seigneur des Anneaux vous plaît, bah, ça me ferait un grand plaisir de partager ça avec vous. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre, ça serait... cool. Et du coup, connaître le contexte et l'histoire de la série que je vais lancer sur cette thématique-là. Donc allez-y, ça me ferait un grand plaisir de partager ça avec vous, d'avoir vos retours, vos commentaires sur cette vidéo que j'ai vraiment galéré à faire, vraiment. Donc c'est pour ça que j'en parle, parce que j'ai vraiment galéré et j'en suis très fier aussi. Donc c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo-là vous a plu, j'espère que la vidéo de Numenor vous plaira. Lâchez un petit commentaire, un petit pouce bleu, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Tchuss tout le monde !